Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour merveilleux, pour ta puissance. Tu as la puissance d'assujettir toutes choses par ta parole, par ta force. Et aujourd'hui, Père, nous prions afin que tu puisses guérir les blessures les plus profondes dans les cœurs. Des choses qui sont là depuis peu de temps, des choses qui sont là depuis longtemps, qui créent toutes sortes de problèmes. Des nuages noirs au-dessus des têtes, dans les têtes Et je te demande, s'il te plaît, ta paix surnaturelle, qu'une joie nouvelle vienne sur ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Mmh. Et juste avant l'émission, j'avais une pensée pour des épouses. Tu es une épouse et ton cœur a été blessé, vraiment meurtri. Et je lisais quelques versets du livre de Proverbes, dernier chapitre, qui parle de cette femme vertueuse, comment le cœur de son mari a confiance en elle, et comment elle se rit de l'avenir. Elle a une joie dans son cœur et elle est active. Et tu as fait beaucoup de choses, tu as travaillé, tu t'es donné, tu as servi, tu as aimé, et tu as été méprisé. Tu aurais dû être encouragé, tu aurais dû être aidé, tu aurais dû être aimé, tu aurais dû être épaulé. Et à la place de ça, tu as vécu beaucoup d'outrages, beaucoup de blessures, beaucoup de choses, beaucoup d'injustices. Et je prie et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi, une promesse pour toi, une espérance pour toi, et que la joie dans ton cœur devienne tellement forte qu'elle surpasse, qu'elle triomphe sur la colère, l'amertume, sur la blessure dans ta vie. Et même si vous n'êtes pas des épouses, plusieurs vous nous écoutez, et vous avez toutes sortes de blessures, parfois on cache nos blessures, parfois on ne réalise pas, mais il y a des choses, il y a des paroles qui facilement nous irritent ou nous blessent parce qu'il y a quelque chose de profond. Et aujourd'hui, c'est une joie encore de recevoir notre invité, le pasteur Benjamin Peter Schmidt. Merci d'être là, Benjamin, donc, pour la deuxième émission de cette semaine avec toi. Et donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Effectivement, nous allons parler des blessures aujourd'hui. Nous allons parler surtout de victoire. C'est une série sur la victoire. Et je crois qu'il y a en Jésus une victoire sur les blessures. J'ai été dans mon enfance et sur différents réseaux, vous connaissez mon histoire, vous entendez mon histoire, pardon. Mais j'ai été aussi dans la blessure et je crois que nous pouvons vite être piégés dans la blessure. Si nous ne la traitons pas, nous pouvons vite être piégés. Et des fois, malheureusement, nous voulons aller trop vite. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur une histoire de la Bible. Un homme blessé. Un homme blessé par de nombreuses violences verbales, mais également physiques, et par le rejet. Regardons ensemble. Vous connaissez son histoire dans Genèse 42. Et à partir du verset 14, vous avez là un homme qui se prénomme Joseph, vendu par ses frères. Cet homme sera vendu en esclave. Ensuite, il sera en prison. Et alors que maintenant, Dieu l'a mis en place le numéro 2 du pays d'Égypte, il se retrouve face à face avec ses frères, face à face avec son passé, face à face avec ses blessures. Les années sont passées, mais la blessure est toujours présente. Et regardons un petit peu ce qu'il se passera et tirons-en un petit peu des leçons également. Verset 14, « Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. » Il parle à ses frères. « Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. » Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. Nous n'allons pas aller plus loin, mais je vous encourage à relire l'histoire de Joseph. Mais j'aimerais que nous puissions prendre la mesure de ce qui s'est passé. Tout d'abord, lorsque nous parlons de blessure, nous parlons d'offense. Lorsque nous parlons d'offense, nous parlons de quelque chose propre à chacun. Ce qui peut m'offenser ne vous offensera pas forcément. Ce qui peut vous offenser ne m'offensera pas forcément. Alors mon ami, qui que tu sois, lorsque on te parle d'offense, je comprends que c'est un sujet très sensible parce que ça fait appel à la douleur. Et pas juste la douleur physique, mais une douleur plus violente encore, celle de l'âme. Peut-être que tu as été offensé par ta propre famille, peut-être que tu as été blessé par tes propres frères, tes propres parents, peut-être blessé par ton mari ou ton épouse, comme nous l'avons entendu, peut-être blessé par un collègue, quelqu'un de l'église. Tu as été blessé. Mais même si cela est propre à chacun, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que Joseph a particulièrement souffert, particulièrement blessé, mis à l'écart par ses frères étant enfant.
à 17 ans, jeté dans un puits, puis vendu par ses frères. Et puis il passera 13 ans à être esclave, puis prisonnier. Puis enfin, pendant 22 ans, il sera dans un pays qui n'est pas le sien. Il connaîtra l'apprentissage de toute une autre culture. Il connaîtra ce lavage du cerveau. Et puis au bout de 22 ans, il rencontrera ses frères. Quel drame, quelle violence, quel choc psychologique pour le jeune enfant qu'il était auparavant. Nous voyons que chez lui, il y a du tourment. Parce que lorsqu'il parle à ses frères, on a l'impression que c'est comme s'il parle de quelque chose qui s'est passé hier. Lorsqu'il est face à eux, on sent que le passé n'est pas très loin. Bien-aimé, il y a des douleurs que vous ne pouvez pas stopper. Il y a des blessures que vous ne traitez pas juste avec le temps. Le temps ne change rien. Nous avons l'habitude de dire qu'il faut laisser du temps au temps, particulièrement sur le thème du pardon. Mais le temps, laissez-moi vous le dire, ne change rien. J'ai connu des gens, j'ai accompagné des gens qui, après 40 ans, 50 ans, parfois 60 ans, me parlent de blessures qu'ils ont vécues avant leurs 10 ans. Pourquoi ? Parce que le temps ne change rien. C'est ce que vous allez faire du temps qui va changer. C'est ce que vous allez en faire, c'est ce que le Seigneur pourra en faire. Alors peut-être que tu es là, tu m'entends, et tu vois ton passé, tu vois tes violences que tu as subies, tu vois les souvenirs qui remontent constamment, ou dès que tu es dans une certaine situation, tout remonte, parce que tu penses que le temps suffit. Il y a quelque chose de plus. Il y a un chemin de victoire. Mais pour que ce chemin de victoire prenne place, il faut regarder la vérité. Il faut regarder les blessures. Il faut les considérer. Alors oui, on parle d'offense, mais naturellement vient un cri. Joseph placera ses frères en prison. Il en a le pouvoir. Et il a le pouvoir de faire bien plus. Mais il prendra la responsabilité, il prendra la liberté de placer ses frères dans une prison. Il les pardonnera plus tard. Avant d'arriver au pardon, qui est la liberté, qui est la victoire sur tes blessures, le pardon va te libérer et tu vas comprendre pourquoi après. Mais avant d'arriver à ça, il va être dans un état de besoin de justice. Et bien souvent, je vois trop de chrétiens qui veulent tout de suite arriver au stade du pardon. Mais le besoin de justice est légitime. Le besoin de justice est normal. Il y a un cri de justice chez l'offensé, un cri de justice chez celui qui souffre. Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Pourquoi pas chez un tel ? Pourquoi pas chez les méchants ? J'aime Dieu. Pourquoi telle souffrance ? Pourquoi tel abus ? Pourquoi tel échec ? J'aime Dieu. Pourquoi moi ? Il y a chez Joseph un cri de justice. Mais regardez ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7 au verset 15. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Mon ami, sur le bon et sur le méchant, il peut y avoir des difficultés. Alors pourquoi moi ? Le pourquoi est légitime. Le cri de justice est légitime. Nous avons tous envie de cette justice-là. Jésus lui-même a envie de cette justice-là. Mais il va falloir passer au-delà. Il va falloir passer au-dessus. Pourquoi ? Parce que la justice humaine est souvent et quasiment systématiquement malmenée. La justice humaine amène à un état de vengeance. La justice humaine amène à un état de violence intérieure. Je ne parle pas là des lois et des règles. Il y a des délits, des choses qui méritent d'aller devant la justice des hommes également. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'avez pas le droit d'aller dans ces choses-là. Par moments, elles sont nécessaires. Mais il y a certaines offenses qui ne sont pas là d'ordre de délit. Il y a des mots violents, des mots blessants. Ce n'est pas d'ordre d'un délit. Et on a envie de faire justice. Mais souvent, quand on parle de justice humaine, on parle de vengeance. Et la vengeance est un poison qui entraîne toujours l'amertume. L'amertume et la vengeance vont te détruire. Ils vont t'emprisonner dans tes souvenirs, dans ton passé, dans ta blessure. Et alors que tu voudras t'élever, tu voudras élever ton regard, tu ne pourras que regarder à ta blessure parce que la vengeance est là, cet esprit est là, cette amertume est là et tu n'arriveras pas à en sortir. Le seul moyen d'en sortir est le pardon. Si tu ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi, de t'enfermer dans ton amertume, de t'enfermer dans ce besoin de justice humaine, il faut accepter de dire « Seigneur, ce n'est pas entre mes mains. À moi la justice, à moi la rétribution, dira le Seigneur. C'est Dieu qui prendra soin de toi. » Mais avant d'arriver à l'étape du pardon, il faut accepter d'arriver à l'étape de faire face à ses émotions.
Il y a d'abord ce cri de justice. Seigneur, je veux, ce n'est pas juste, je ne comprends pas, il faut que tu fasses justice. Il faut même des fois que moi je fasse justice, que je tire vengeance. Mais il faut aussi faire face à ses émotions. Alors qu'ils sont 3 jours en prison, Joseph est seul. Son passé est en prison. Quelques dizaines, cinquantaines de mètres, en tout cas dans le même pays que lui, son passé, ses frères, est en prison. Il est là, couché dans son lit. Et il pense à tout ce qui s'est fait. Il revoit ses frères encore, le jeter dans le puits. Il revoit ses frères encore, le malmener. Il revoit ses frères encore recevoir de l'argent et le confier à des vendeurs d'esclaves. Il revoit ses frères encore l'insulter, le mépriser. Il faut faire face à tes émotions. Il faut accepter de dire j'ai eu mal. J'ai eu mal. Tu ne peux pas guérir si tu ne reconnais pas que tu n'as pas été blessé. Et vous savez, on peut facilement ressasser le passé sans même admettre que nous avons eu mal. C'est très bizarre, c'est très particulier. Mais le psyché humain est d'une grande complexité, d'une grande richesse. Mais j'ai vu des gens être piégés, j'ai vu des gens être enfermés dans leur passé sans même reconnaître qu'ils sont en souffrance. Puisque si tu es en souffrance, il faut reconnaître que tu as besoin de soins, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'être peut-être écouté, que tu as besoin probablement de parler, d'exprimer la souffrance. Les émotions sont là pour être exprimées. Elles ne doivent jamais te diriger, mais elles sont comme un dialogue de ton âme et de ton psyché. Les émotions sont un dialogue qu'il faut être capable d'écouter. Et si tu les écoutes, elles seront pour toi comme une aide pour te décrypter. Mais si tu ne les écoutes pas, elles souffriront. Et malheureusement, tout ton être sera tourmenté constamment, jour après jour, année après année. Les émotions sont là. Joseph fera face à ses émotions. Mais il arrivera à un moment donné, 3 jours plus tard. Étrange le parallèle. 3 jours. Il faudra 3 jours à Joseph pour sortir de la prison du passé dans la vie nouvelle. Il faudra 3 jours à Jésus pour ressusciter d'entre les morts. Eh bien, j'aimerais te dire qu'il y a un processus dans les étapes du pardon. D'abord, accepter, il y a ce pourquoi, ce cri de vengeance, puis accepter de faire face à ses émotions, ses souffrances, puis enfin, pardonner. Pardonner. Le pardon est une décision. Joseph va pardonner, il va les faire sortir. Et la raison de son pardon, et il le dit clairement, il dit « Vous allez retourner vers votre père, je crains Dieu. » La crainte de ton Dieu te permettra de pardonner. Regardez ce qu'il nous est dit dans Matthieu 6, au verset 14 à 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Mon ami, je crois que tu as en toi la capacité de pardonner. Elle n'est pas de toi, mais elle est en toi, par Jésus. Le Saint-Esprit peut te rendre capable de pardonner. Pourquoi ? Parce qu'il te dit que tu dois pardonner. Je ne te dis pas que tu dois immédiatement pardonner. Il y a des accompagnements que je fais face à certaines violences, des abus sexuels, des choses violentes. Je ne parle pas tout de suite du pardon. Je laisse d'abord la douleur ressortir. Et une fois qu'elle est vue, une fois qu'elle est regardée, alors je prends la décision de pardonner. C'est ce par quoi moi-même j'ai dû passer et le chemin par lequel je dois encore passer lorsque les offenses sont là. Et elles continueront parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais tu peux prendre cette décision. Je choisis de pardonner. Je prends la décision. Le pardon n'est pas la guérison. Trop souvent, nous confondons pardon et guérison. Pardonner, c'est une décision. Guérir, c'est un résultat. Autrement dit, tu n'as plus mal, tu ne souffres plus dans tes pensées, tu ne souffres plus de ton passé une fois que tu es guéri. Mais tu ne peux pas guérir tant que tu ne pardonnes pas. Tu aimerais la guérison, mais tu te refuses à pardonner. Tu aimerais ne plus avoir mal, tu aimerais ne plus être conditionné par ces violences que tu as subies étant enfant, mais tu ne peux pas parce que tu te refuses de pardonner. Le pardon est le déclencheur de la guérison. Le pardon est la décision qui te permettra de déclencher, d'amener à la guérison. Et j'ai l'habitude de dire très régulièrement, pardonne jusqu'à ce que tu sois guéri.
Le pardon n'est pas juste l'affaire d'une décision. Selon le degré d'offense, tu vas avoir parfois tes pensées qui vont revenir, tu vas parfois être accablé, mais tu vas devoir prendre la décision de dire « Non, je ne considère plus cette personne en fonction de ce qu'elle m'a fait, je choisis de la pardonner. » Il faut que tu prennes cette décision autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'à ce que tu seras guéri. Mais je te le garantis, tu seras guéri. Tu peux être guéri de ton passé, tu peux être guéri de tes blessures. En Jésus, la victoire sur tes blessures est là, car tu as la capacité de pardonner. Jésus t'a beaucoup pardonné, alors il te rend toi aussi capable de pardonner. Qui que tu sois, jeune ou ancien, femme ou homme, qui que tu sois, chrétien ou non chrétien, tu peux demander à Dieu, « Aide-moi à pardonner, je voudrais. » Je n'arrive pas en moi-même, je n'ai pas l'élan en moi-même. Viens me donner, viens m'aider. Jésus va le faire. Parce que le pardon te libère. Si tu essayes de gérer l'offense par tes propres forces, tu tomberas dans l'amertume et la vengeance. Si tu acceptes de couvrir l'offense et de laisser juste du temps, tu finiras tourmenté, tu finiras accablé et tu n'arriveras jamais à surpasser ton passé. Ton passé est fait pour rester derrière toi. De temps en temps, comme un rétroviseur, tu jettes quelques coups d'œil pour savoir comment t'orienter. Mais ton passé ne doit jamais te déterminer. En Jésus, tu n'es pas obligé d'être déterminé par ton passé. Je veux t'inviter à cela. Toi qui souffres, toi qui as vécu des violences, j'ai vécu beaucoup de rejets, j'ai vécu beaucoup de moqueries, j'ai choisi de pardonner. Ça m'a libéré. Ça m'a permis de me découvrir tel que je suis. Ça m'a permis de comprendre à quel point Dieu me fait grâce, à quel point Dieu est fidèle, à quel point Dieu est reconnaissant, à quel point je suis reconnaissant, pardon, envers Dieu de tout ce qu'il m'a déjà donné. J'ai choisi de pardonner. Vas-tu pardonner? Ou vas-tu rester attaché? Tu es là et tu te tiens à ton offense. Parce que c'est presque comme si tu n'existes plus qu'au travers d'elle. Lâche-le. Ça fait peur. Parce que pour certains, c'est tout ce que tu as connu. Lâche-le. Quelque chose de beaucoup plus beau va se présenter devant toi. Choisis de pardonner. Ah non, mais pardonner, c'est pour les faibles. Au contraire. Pardonner, c'est pour les forts. La nature te poussera à te venger. Il faut être fort pour être capable de pardonner quelqu'un qui t'a fait mal. Il faut être fort pour être capable de dire « Il y a une injustice, mais elle n'est pas entre mes mains. » Il faut être fort et Jésus veut t'aider à cela. Que le Seigneur te bénisse. Alors si tu n'arrives pas à rire en pensant à ton futur, à être rempli d'espérance, c'est peut-être parce que ton passé est trop présent et tu n'arrives plus à être dans la joie, tu n'arrives plus à être heureux, heureuse, parce que ça revient, ça te tourmente, ces pensées te tourmentent. Et on a parlé des pensées cette semaine. Et le Seigneur veut te donner cette victoire complète. Merci Benjamin pour ces paroles. Et je crois que Dieu veut prendre ces paroles et les planter dans le cœur de plusieurs et aussi que vous puissiez passer par un acte d'obéissance en réponse à la parole de Dieu. Mmh. Et Père, je vous prie et d'abord merci pour cette parole. Merci pour les cœurs qui écoutent et il y a plusieurs personnes qui écoutent vraiment avec foi. Plusieurs qui connaissent Benjamin et qui savent que tu es passé plusieurs fois à travers lui pour parler dans leur vie. Et d'autres, Seigneur, qui entendent cette parole et la foi a été suscitée. L'espérance est présente. Mmh. Ils croient en toi, ils te font confiance. Et je prie, Père Céleste, qu'ils entrent dans cette démarche pour arriver à un plein pardon et une pleine guérison, une entière guérison. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui libère. Seigneur, tu nous as donné une espérance glorieuse. Tu reviens nous chercher, tu nous as préparé une place. La nouvelle Jérusalem va descendre. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux. Oui, tu nous as préparé une maison. Tout sera parfait, il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni deuil. Parce que les premières choses auront disparu. Mais aujourd'hui déjà, tu veux planter dans le cœur de plusieurs comme cette nouvelle Jérusalem, cette vie nouvelle, cette joie nouvelle. Seigneur, merci.
Je prie pour ceux qui ont laissé sur le chemin de leur vie la joie, qui ont laissé les plans de Dieu, qui ont laissé tes projets. Je m'entends aujourd'hui et tu as laissé sur le chemin, sur ce chemin, peut-être on t'a volé ces promesses, on t'a volé, tu as l'impression d'avoir été volé de cette joie et du plan de Dieu dans ta vie, comme si l'homme pouvait t'écarter, a pu t'écarter de ce chemin par la grâce du Seigneur. Si tu crois, oui, tu verras la gloire de Dieu. Il est capable de te planter là. Il faut que tu viennes près du courant d'eau, que tu boives, que tu boives. Oui, c'est en Jésus-Christ que t'es donné la capacité de pardonner, de faire le bien. C'est en Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ, ta justice. C'est lui ton réconfort et c'est lui ton appui. Lorsque tu peux prier de tout ton cœur à Jésus en lui disant « Seigneur Jésus, je crois que tu me donnes la capacité, la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé, que tu me donnes la capacité de pouvoir voir mes souffrances en face, mes blessures en face, et je ne veux pas les cacher comme un enfant peut cacher quelque chose qu'il a fait de mal. Seigneur Jésus, j'ai été injustement trahi, ou j'ai été injustement blessé, ou on m'a fait du mal, ou peut-être c'est moi-même qui ai créé tout cela, mais qui que ce soit, quoi que ce soit, quel que soit le coupable, Seigneur Jésus, je viens devant toi te demandant, s'il te plaît, de pardonner, que ce soit à moi, que ce soit aux autres. Je te demande, s'il te plaît, de venir intervenir dans ma vie. Et je me place sur l'autel de la consécration. Je me place sur l'autel de l'abandon. Je m'abandonne à toi. Seigneur, c'est toi le potier. Fais de ma vie ce que tu veux. Et Jésus, je m'offre à toi. Oui, oui, Seigneur, oui. Permets-nous de réaliser tout ce que tu nous as pardonné afin de pardonner en retour. Permets-nous, Seigneur, d'avoir les yeux ouverts, Seigneur, clair sur ce que toi tu as tant fait pour nous, afin de nous décentrer un peu de notre souffrance et considérer ce que tu as pardonné toi aussi. Seigneur, aide-nous à réaliser l'œuvre de la croix, afin de pouvoir pardonner nous également. Joseph, au travers de ce pardon, accordera et permettra la pleine et entière réalisation de la promesse. Il sera là pour prendre soin des siens, sera envoyé pour prendre soin des siens. Sans le pardon, jamais cela n'aurait pu aboutir. Mais il a pris cette décision. Pardon est cette richesse que tu accordes. Seigneur, donne à chacun qui le désire sincèrement de vraiment pouvoir pardonner, de prendre cette décision, qu'il ne se trompe pas, qu'il n'attende pas une émotion, qu'il comprenne que le pardon, il est possible maintenant, en ce moment même, alors qu'ils entendent notre prière, alors qu'ils entendent ce message, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, je prends cette décision. Et lorsque la souffrance essayera de ressurgir à nouveau, eh bien qu'ils puissent continuer à pardonner encore et encore, jusqu'à ce que la blessure soit refermée. Fais-leur grâce. Comme l'a dit Jérémie, donne-leur la foi. Il faut de la foi pour cela. Il faut de la foi pour oser pardonner. Alors que il faut la foi pour oser remettre la justice à un Dieu que nous ne voyons pas. Mais nous croyons que tu fais justice. Nous te remercions Jésus-Christ, nous te rendons la gloire. Bénis nos bien-aimés, accompagne-les et que Seigneur les blessures puissent se refermer. Que les blessures puissent se refermer. Il y a plus pour toi mon ami, il y a plus pour toi qui est devant ton écran et qui souffre. Il y a plus que juste le passé. Il y a des projets d'avenir et d'espérance. Mais pour y rentrer, prends cette décision. Le Seigneur te parle encore. Tu as ressenti dans ton cœur pendant cette émission, mais le Seigneur te parle encore pour te confirmer. À toi, mon frère, qui écoute ce message. Tu es en France actuellement et tu écoutes ce message. Il y a plus pour toi. Il y a plus. On a essayé d'éteindre avec ces blessures. Il y a plus pour toi. Prends cette décision aujourd'hui. Il y a eu une erreur médicale et depuis cette erreur médicale, ton cœur a été rempli vraiment comme infesté de colère. De colère, cette colère s'est transformée en haine. Tu n'es pas forcément quelqu'un qui va l'exprimer avec tes paroles ou avec tes gestes même, peut-être une nature plus calme. Mais à l'intérieur, tu en veux à ces médecins, tu en veux à la médecine, tu en veux à cet hôpital et tu en veux peut-être à Dieu. Et aujourd'hui, décharge-toi. Décharge-toi de cette colère. Tu ne peux pas continuer comme ça. Et le Seigneur a été si clair concernant le pardon qu'on doit accorder, même à nos ennemis.
tu dois pardonner comme il t'a été pardonné, faire grâce comme il t'a été fait grâce. Alors déclare avec moi, je pardonne. Je pardonne. Par le pardon que Dieu m'a accordé, je pardonne. Par l'amour que Dieu m'a aimé, j'aime. Alléluia. Je pardonne et je relâche. Je relâche ce qui a été fait. Oui. Je relâche. Ça fait plus partie de mon présent maintenant. Je suis guéri. Cela appartient au Seigneur. Seigneur Jésus, merci. C'est toi le juste juge. C'est toi qui fais justice. Je ne me ferai pas justice par moi-même. Oui. Je te fais confiance, Seigneur. Oui, Seigneur. Allez. Seigneur, donne-leur. Donne-leur d'avoir la force qui vient du ciel pour pardonner. Mais pour certains, réellement, le Seigneur me presse à insister. Il serait plus simple pour vous de juste prendre cette décision de pardonner maintenant et de continuer. Mais la blessure est encore là. Ne passez pas trop vite à l'étape du pardon si la violence de la blessure a été très forte. Il y en a plusieurs, vous avez subi des abus. Il faut que vous parliez. Pas juste à Dieu, il faut déverser les émotions. Il faut accepter de parler. C'est difficile, vous n'avez pas envie de ressasser le passé. Mais il y a par moments, il faut par moments que toute la saleté sorte de la blessure pour pouvoir ensuite être soigné. Faites ce pas-là. Faites-le comme un pas de foi, un acte d'obéissance qui dit « Seigneur, je te fais confiance ». Cela se passera bien et vous aurez un pardon d'autant plus fort, d'autant plus puissant, car les émotions auront perdu cette emprise. C'est comme si vous êtes tenu dans l'émotionnel. Vous n'arrivez pas à en sortir. Ces émotions vont perdre leur emprise dès le moment où vous les laissez s'exprimer. Tant qu'elles sont tapies, tant qu'elles grondent sous la surface, elles prennent beaucoup de place. Mais dès que vous les laissez sortir, eh bien vous allez voir qu'au travers de vos larmes, au travers des mots, eh bien vous arriverez à accorder un pardon d'autant plus puissant parce que Jésus va vous accompagner. Il y a des erreurs des hommes aussi qui doivent être pardonnés. Des gens ont fait des erreurs qui n'ont pas voulu. Il y a eu des accidents de voiture, il y a eu des erreurs faites par des hommes, des décisions qui ont engendré dans votre vie des problèmes. Et là aussi, faire le choix du pardon, faire le choix de la miséricorde et faire le choix d'obéir au Seigneur. Des erreurs. Il y a cette expression de l'erreur qui est humaine et on a tous commis des erreurs. On a tous commis des fautes et on aurait dû être envoyé en enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place, en prenant notre place. Et si aujourd'hui tu écoutes cette émission et tu as souffert depuis trop longtemps, depuis longtemps de blessures, nombreuses blessures, Jésus-Christ n'habite pas encore dans ton cœur et tu voudrais recevoir le pardon de tes péchés. Tu ne veux pas aller en enfer, mais tu veux vivre avec Dieu parce que tu sais depuis longtemps et depuis ton enfance, tu as entendu parler de Dieu, tu te dis peut-être même chrétien parce que tu crois en lui, mais Jésus-Christ n'est pas encore entré dans ton cœur. Alors je veux te faire cet encouragement de lui demander sincèrement et profondément pardon pour tes péchés. Profondément pardon d'avoir cru que tu pouvais te sauver par toi-même, par tes œuvres personnelles. Il est le seul capable de te sauver, le seul capable de te libérer, le seul qui est mort sur la croix à ta place. Alors aujourd'hui, reçois le pardon de tes péchés. Viens à Jésus-Christ tel que tu es et prends la décision personnelle de vivre à 100% pour lui à partir d'aujourd'hui, à accomplir sa volonté et à faire tout ce qui lui est agréable. Réponds à cette alliance que Dieu te propose. Et si tu fais cette prière, je t'encourage à aller sur l'adresse qui s'affiche pour aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver avec toi, Benjamin, dans Prière Inspirée. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus,
serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale, vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit, il ne vous demande rien, il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire, on ne demande ni d'argent, on vous demande pas une souffrance particulière, on vous dit faites confiance et croyez. Essayez, vous n'avez rien à perdre, essayez, j'ai essayé, ça fait plus de 20 ans que je suis dedans et je ne repartirai pour rien au monde, aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui, impossible. Donc osez Jésus avant qu'il soit trop tard, osez, ne le faites pas demain, faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez une minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés.
qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi. Lave-moi. Sanctifie-moi. Rends-moi pur. Transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.